Une voiture a parcouru une distance de 395 km dans un temps de 5 heures. Calcule la vitesse moyenne de cette voiture. Donc, la distance 395, le temps 5 heures. La vitesse V égale A D, la distance, divisé par T, le temps. Ça, tu dois l'apprendre par cœur. D'accord? La vitesse V égale à la distance D divisée par le temps T. V donc est égal à 395. D'accord? Divisé par T. T, c'est 5 heures. D'accord? On fait notre opération. 395 divisé par 5. Nous avons un chiffre ici. On va prendre un chiffre 3 divisé par 5. 3 inférieur à 5. On va prendre deux chiffres. 39 divisé par 5. Un nombre multiplié par 5 qui est égal à 39 n'existe pas. Un nombre multiplié par 5 qui est inférieur strict à 39, c'est 7. 7 fois 5, 35. 39 moins 35, c'est 4. On fait descendre notre 5. 45 divisé par 5, c'est 9. 9 fois 5, c'est 45. 45 moins 45, 0. Donc 395 divisé par 5 égale 79 et le reste 0. Donc notre vitesse est égale à 79 km par heure. D'accord?